Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Civilization 6, sur la partie avec l'Australie, donc la saison 2. Et on va reprendre là où on en était. Alors, je fais un point parce que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vous rappelle qu'on est sur une partie de type terrestre, donc on a la planète Terre. Et vu qu'on est en Australie, on est en Australie. On est des Australiens. Parce qu'on a les placements réels des villes et des factions. Donc du coup on est tout seul depuis un petit moment. Non parce que quand même on se sent un peu seul sur tout ça quoi. Bon alors à la limite ce que je pourrais faire c'est les mettre en exploration automatique. Ils vont explorer. Bon, je sais pas s'ils vont explorer mais ils vont explorer. Ah c'est vrai qu'ici c'est risqué. Mais on le tente. Normalement, ça devrait passer, oui. Voilà, donc là, on a nos guerriers qui sont dans un état pitoyable. Paye-toi et sois. Et on avait notre colon qui se dirigeait vers je sais plus où. On va le laisser parce que j'ai pas envie de le redéployer. Et eux, on va les mettre également en exploration automatique. Et on était en train de construire l'oracle. Ouais. On a un grenier, un hôtel, ok. Faire un négociant par la suite peut être intéressant pour relier les deux villes. Ça permettra de faire une route et puis de gagner un peu plus d'or que 4 or par tour. Parce que mine de rien, ça me rapporte pas à des masses tout ça. Ah mais c'est sûr, je peux pas voir. Attendez, on va essayer de voir comme ça. C'était où? Non, c'est pas ça. C'est ça. Parce que finalement, le seul endroit où je gagne de l'or, il n'y en a pas. Comme ça, au moins. Quelles sont les ressources qui me fileraient de l'or? L'éléphant, ça file de l'or? Ouais. Ah non, c'est le cacao, ça. Le cacao, ça file le taquet d'or. L'éléphant, ça. L'ivoire, ça file un d'or. Alors c'est ça me paraît pas hyper réaliste parce que dans la réalité l'ivoire autant pas aujourd'hui mais pendant très longtemps l'ivoire a apporté beaucoup beaucoup à ceux qui l'exploitaient à cause du braconnage tout ça et ça me paraît pas trop logique que ça rapporte que un d'or. Enfin, bon après c'est un choix de leur part à ce niveau-là. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai des chargements ultra, ultra, ultra longs. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des coupures entre chaque partie, enfin, entre chaque tour, parce que c'est tellement long que là, ça m'a pris 15 minutes. Donc, ça le fait pas pour vous, comme pour moi d'ailleurs. Donc du coup, alors, par contre là j'aimerais bien savoir pourquoi il y a un truc là. Vous avez vraiment un camp par là. Ce qu'on va faire du coup c'est juste voir si c'est intéressant de faire ça. Ou si pour l'instant on reste sur ça. De toute façon tant que j'ai pas de ville côtière, je ferai pas de choses navales. Je peux pas, je crois pas. Voyez que je peux pas. Alors c'est étrange que je puisse pas. Si, j'ai rien dit. Non, ouais, non, je peux pas. Je peux pas faire de bateau parce que je suis pas en ville côtière. Tant que j'ai pas de port sur cette ville, je pourrais pas faire de navire. Bah écoutez, je pense que c'est tout ce qu'on a à faire. Ah si, peut-être ici, rediriger vers la production. Où est-ce que je veux dire? Ah, attendez, hop. Oh là là. C'est-à-dire rediriger vers la production, ça produira que par... enfin, en priorité la production, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, si je mets la nourriture... Voilà, ça me permet d'avoir la production max. Pour l'instant, pour finir la merveille, espérons en premier. Merveille qui me donne pas mal de choses, surtout au niveau des bonus
de personnages illustres. Il y en a déjà trois qui ont été recrutés. J'aimerais bien avoir le mien d'ailleurs. Prophète illustre, je suis à zéro. Pourquoi je suis à zéro? Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aller voir ici. Ça, j'ai même pas encore. C'est cela, tu vois, vous voyez. Donc, je peux pas encore mettre ça. Je l'aurai dans 11 tours. Sous réserve de trouver 3 cités-états pour l'optimiser, mais. Vu comme c'est parti, j'en doute fortement. J'en doute fortement. Fort étrange. Écrire, c'est partager. Ah, on a C'est dans la débloqué nature même de l'homme de l'écriture. chercher Ça, à c'est partager bien. des pensées, des idées, des opinions. Ouais, ok. Alors, prochaine technologie, ce serait de débloquer ça pour savoir s'il y a du fer dans le coin. Ah. Attendez, parce que... Ils ont rajouté des trucs en fait que j'avais jamais vu. Ça a dû être ajouté dans la dernière mise à jour. À moins que ça soit un de mes mods. À moins que ça soit un... Mais j'ai un doute sur ça quand même. Je pense plus que c'est ça a été ajouté il y a pas longtemps parce que j'ai vu une mise à jour passer il y a pas longtemps. Et du coup, il travaille du bronze. J'ai pas envie de perdre lui, du coup, il va dégager. Et écoutez, ben on va passer le tour encore hein, parce que j'ai pas grand-chose à faire pour l'instant. Alors voilà, le tour est fini. On va partir par là. En fait, j'aimerais pas perdre mon éclaireur. Ça m'arrangerait fortement. On va passer tout. Alors des fois, ça passe hyper vite, les tours. Et des fois, ça passe assez lentement. Alors j'aimerais bien voir ce que c'est ça rapidement. Hop, voilà. Alors. Permet d'assécher les marécages. Donc ça on l'avait déjà il me semble. Hein. Mais ça ça y était pas, tu vous voyez. Permet de défricher les forêts tropicales. Enfin, ou alors je l'ai mal vu, mais Ou alors ils ont changé. Ça, ils ont peut-être changé le logo, ce qui fait que c'est nouveau. Ça doit être ça. Ils ont changé le logo. Ce qui fait que comme ils ont changé le logo. Alors, on n'a pas l'impression d'avoir eu quoi. Alors que si en fait. Ça doit être ça. Ok. Bon, l'espace entre les tours semble diminuer, donc ça va. Ici, j'aimerais tout de même pas perdre lui. Quand même rester pas trop loin. Ah, il est arrivé à destination. Parfait. Une nouvelle ville. Alors. Alors, c'est ça. Et ça. Avec le bâtisseur juste devant quand même. Après, ce qu'on peut faire, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça rapporte. Les pairs rapportent de la foi. Ah, ok. Et là, je gagne plus. Ah, le cacao. Alors, j'ai bien fait choisir cette position-là parce que à terme, je vais gagner ça. Une ville ici aussi pourrait me rapporter beaucoup à terme. Dans tout ça. Alors, ce que je voulais voir, c'est ça. Voilà, je m'en doutais. Pardon. Excusez-moi. C'est ça. La grande barrière de corail, si exploitée, ça donne 3 nourritures et 2 de science. Ok. Fort intéressant. Sinon, il nous reste 4 tours pour la merveille ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à envoyer les unités en protection. Voilà. Hop, on va les envoyer là. Tour suivant. Tour suivant. Alors c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Ah, ce que j'aurais pu faire. J'ai pas pensé à le faire. Alors attendez, parce que là, je lag. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que le tour passe, parce que... En fait, j'ai remarqué que j'avais été un peu gourmand au niveau des IA que j'avais mis et de la taille de la carte par rapport à la puissance de mon ordinateur. Parce qu'en fait, j'ai mis, à mon souvenir, on est 15 joueurs au total sur une carte de type gigantesquement immense. Donc la plus grande possible presque, je crois, c'est ça. Et du coup,
Comme j'ai déjà fait une partie où je suis tombé en Europe et je peux vous garantir que c'est foutrement le bordel, je pense que ça va être le bordel en Europe, là, en ce moment. Et du coup, il doit y avoir pas mal de guerres, pas mal d'unités, et donc du coup, ça charge, ça met beaucoup de temps à charger. Du coup, ben, pour l'instant, ça me fait des tours assez longs. J'espère que ça durera pas, parce que je me vois mal faire des centaines de tours comme ça, avec des temps de chargement égaux à 10 minutes entre chaque tour, voire plus. Donc du coup, ça m'énerverait un peu, mais bon, mais pas ça après. Alors je trouve que c'est pas très typique des constructions, à moins que ça prenne en compte les aborigènes en premier. Ça doit être ça, ça va prendre en compte les aborigènes australiens en premier, des constructions aborigènes. Ok. J'aime bien regarder les petits détails comme ça. Ouais. Ah, c'est pas aménagé ça. Ah, il faudrait que... Ouh là là. J'aurais pas dû faire ça. Ok, je crois que je l'ai fait légèrement planter. Bon. Écoutez, je vous reprends quand c'est fini. Ok, bon alors je vais me faire réattaquer par ce petit éclaireur-là. J'ai un avantage, c'est que j'ai fait soigner mon unité, donc je vais pouvoir essayer de le dégommer. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est de ne pas savoir où est le camp barbare associé. Apparemment, il n'y en a pas, donc c'est assez étrange d'ailleurs. Mais j'y peux rien. Donc, on va passer le tour. Ouais, j'y peux rien. Alors, je sais pas où il est, s'il spawn après, ou si c'était le reste du camp de barbares précédent que j'ai dû éliminer qui était là. Ouais, je sais pas, on verra. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de voir ce qu'il y a là. Mais tant que j'ai pas de bateau. Ah mince, j'ai encore oublié. Bon. J'ai encore oublié de regarder si je pouvais pas lancer un navire à construire ou un truc du genre. Enfin bon. On regardera au tour suivant. Ok. Il est mort. Et je suis vivant. C'est ce qui compte. Il me semblait vous avoir demandé d'aller là-bas, vous, mais apparemment vous n'avez pas compris. Voilà. Bon, il me reste deux tours pour ça. Et on est bon sinon. Et un tour pour le travail du fer. On va voir ce que je pourrais faire après. Moi je serais parti sur ça. Non, sur les. J'ai un doute. Alors, attendez, je vais regarder rapidement. Là. C'est pas ça. C'est ça. Oui! Oh, 15 tours c'est long, putain. Mais en priorité. Enfin, priorité après le. Merde. Galère, négociant, grenier. Voilà. Le négociant. Pas négociant, n'importe quoi, bâtisseur. Et du coup, ben. Ici. Je me dis qu'on va faire un autre petit bâtisseur avant. Parce que j'aimerais bien aménager ça maintenant que je peux. Et on va passer le tour. Parce que le bronze résistera au passage de millénaires entiers. Et voilà, nous avons débloqué le bronze. Du coup, on a débloqué le fer et on pourra construire de nouvelles unités. Et on peut défricher les forêts tropicales. Mais ça, globalement, on s'en fout un peu, puisqu'à part là, on n'en a pas beaucoup. Alors, la question maintenant, c'est quelle technologie faire? Ouais. Moi, je partirais sur la navigation astronomique, voilà, pour faire le port. Et on pourra lancer ça après. Donc, on va passer encore une fois un tour. Ok, ben on a fini la merveille, c'est parfait. L'oracle vous laisse profiter de la petite construction rapide. J'aime bien, franchement.
Ça me rappelle un des premiers. Le deuxième civilisation auquel j'ai joué, qui était Civilisation 3, où il y avait un truc comme ça avec les merveilles. Et c'était vraiment pas mal, je trouve que c'est bien qu'il l'ait remis. Bon, alors. Du coup, ben on peut faire ça. Du coup, j'ai optimisé un truc, ça c'est bien. Du coup, ce qu'on pourrait faire. Le fer. Du coup, ouais. Il y en a juste là, c'est parfait. Il y en a deux ici, trois ici. Je pense qu'une ville ici sera la bienvenue. Même si je pense plus la faire sur la côte par là pour après avoir accès aux perles. Ce qui me semble être le mieux. Même si j'en ai là. Ouais, non, en fait, je peux la faire sur. Mais sur la côte, l'avantage avec cette nation, c'est qu'on chope plus 3 en habitation. Que je n'ai pas ici parce que je ne l'ai pas fait sur la côte parce qu'il y avait des ressources. Du coup, ben, je pense que ça pourrait être le plus intéressant d'avoir ça, quoi. Du coup, il reste 3 tours pour les cités-états. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter si vous avez des remarques à faire ou des conseils. À partager. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.